Yé pas tout le monde, bienvenue avec moi dans la catégorie entreprendre, comment choisir son statut et son régime d'imposition, dans quelle situation. Voilà, quand on est par exemple multi-activité ou alors qu'on a une stratégie de déploiement multi-activité, voilà, pour linéariser, diversifier les risques autour des revenus potentiels. Donc vos multi-activités sont orientées blog, chaîne, création de site web, etc., etc. Donc une rémunération plutôt par revenu publicitaire et à côté un complément de revenu plutôt régulier par des activités qu'on va dire consulting. Et un complément de revenus par des activités plutôt de trading. Donc dans ce cas de figure, si on est multi-activité autour de tout ça, est-ce qu'il faut plutôt faire l'option de pas de société ou de société? Voilà. Donc est-ce qu'il faudrait plutôt s'orienter vers le statut et le régime d'imposition de l'entreprise individuelle au réel ou pas? Ou alors plutôt s'orienter vers la EURL? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Mais vous avez certainement remarqué au regard de mes autres castes, attention, je ne suis pas une spécialiste. Je suis juste une curieuse au même titre que vous. Donc, moi j'ai envie de dire, avant de démarrer, en fait, on va porter notre attention sur la gestion du risque. Voilà, vous allez vérifier la gestion du risque autour de la notion de vos activités, de vos services ou des produits. Ce à quoi vous aspirez. Est-ce que votre activité est réglementée ou pas? Comment est-ce que vous allez mettre en place une gestion du risque autour de la réglementation de votre activité? Et je fais surtout allusion au trading. Voilà, est-ce que vous le faites en compte propre ou est-ce que vous le faites avec l'argent d'un tiers? La difficulté et la gestion des risques ne sera absolument pas la même. Je vous invite à aller voir mes castes sur le sujet. Si vous tradez pour le compte de tiers, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas proprement votre argent, mais que vous allez permettre aux gens d'investir, donc ça présuppose des choses, des autorisations, des certifications, des autorisations auprès de l'AMF, de la CPR potentiellement, etc., etc. Est-ce qu'il faut envisager la création d'une société de gestion? Quelle assurance associer, etc., etc. Donc voilà, le trading, j'ai envie de dire, dans le cadre de ce sujet, je me limite au trading en compte propre. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de gérer le risque autour de tout ça. Enfin, pour ma part, c'est un avis subjectif. Donc allez, cette parenthèse fermée, on va débuter. Alors, comment choisir entre EURL, donc la société, ou alors l'entreprise individuelle? Alors moi je dirais que le choix il va d'abord dépendre de vous, votre situation personnelle, maritale, votre situation d'imposition, est-ce que vous avez des revenus réguliers, est-ce que vous avez perçu des revenus exceptionnels, etc. etc. Voilà, est-ce que vous avez le nombre de parts que vous avez, est-ce que vous avez des demi-parts associées, etc. etc. Donc est-ce qu'il y a des enfants ou pas? Est-ce que potentiellement votre conjoint va être salarié de votre structure ou pas? C'est des questions à se poser. Parce que dans chaque situation, vous avez un lot de risques et d'opportunités. Alors après votre projet, comment choisir entre société ou micro-entreprise? Alors il faudra regarder aussi votre projet, notamment votre ambition, votre personnalité, vos compétences aussi et vos retours d'expérience fiscale et comptable. Est-ce que vous en avez les capacités de vous mettre en société? Pourquoi? Parce que la gestion ne va pas être la même, elle va être beaucoup plus fastidieuse et rigoureuse. En plus de ça, vous allez devoir, en fonction donc de vos projets, donc de votre potentiellement ambition au regard de vos chiffres d'affaires ou de votre bénéfice prévisionnel et de votre situation personnelle, de votre personnalité, de vos compétences, comme je vous l'ai dit, vous allez plutôt opter au regard de tout ça à plutôt l'imposition, on va dire, au régime d'impôt sur le revenu ou alors l'impôt sur la société. En plus de ça, est-ce que vous allez utiliser le réel normal ou le réel simplifié? Voilà, donc un petit note à bene, dans le cas de la micro-entreprise, en fait, il faut comprendre la notion également de prélèvement libératoire associé. Voilà. Alors, si on revient à l'entreprise individuelle, donc si par exemple vous faites le choix d'une entreprise individuelle en personne morale, il faut savoir que de façon générale, vous serez taxé à peu près 33% si vous êtes en EI, alors que si vous êtes en EI, en personne physique et en impôt sur le revenu, vous serez plutôt imposé sur l'échelle de vos revenus. Voilà à quelle tranche d'imposition vous allez appartenir, en fonction de votre situation maritale, est-ce que vous avez des enfants ou pas. Donc par exemple, si vous êtes seul, vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas marié, que vous avez des sources de revenus plus ou moins importantes, et que vous êtes très ambitieux au regard du business plan de votre projet, donc le business plan prévisionnel, est-ce qu'il ne conviendrait pas plutôt de basculer en société et de se mettre à l'impôt sur la société? C'est à voir, c'est un choix personnel. Est-ce que ça vous permettrait pas d'éviter le trop
le trop de pression fiscale due à vos tranches d'imposition. Donc ça, c'est un choix personnel. Après, vous avez l'option au régime réel ou normal. Alors ça, c'est intéressant également pour les personnes qui, dans leur fonctionnement, vont avoir beaucoup de frais réels associés à leur activité. Mais là aussi, je vous dirais, faites très attention, précaution, il y a un cadre légal pour déduire les frais réels. Voilà, donc il faut être bien capable, avant de démarrer votre projet, de lister vos charges. Voilà, est-ce que vous allez les mettre en amortissement ou pas, et à combien elles s'élèvent. Et est-ce qu'il est favorable pour vous plutôt d'opter pour la micro-entreprise en prélèvement libératoire, voilà, forfait, ou alors est-ce que vous allez plutôt prendre le régime réel normal ou réel simplifié pour avoir l'opportunité de déduire vos frais réels, parce qu'ils vont vous soulager la fiscalité et permettre la pérennité de votre structure. Je ne sais pas, c'est un choix personnel. Alors donc vous allez quantifier vos charges, vos dépenses, vos besoins d'investissement, et vous allez également aller un peu plus vers l'approche de gestion de ma trésorerie, puisque vous allez mettre en place, si vous êtes au régime réel, un petit tableau d'amortissement. Et oui, parce que si vous achetez un ordinateur et que cet ordinateur vaut 3000 euros, vous ne pourrez déduire qu'une fourchette, je crois, entre 500 et 600 euros. Donc ça présuppose que ce matériel soit amorti sur différentes années. Donc par exemple 3 ans. Et ça présuppose de prendre en considération que votre matériel, en fait, il devient de plus en plus vétuste et il se dégrade. Donc voilà, ça demande une petite gymnastique au niveau des tableaux d'amortissement, et ils sont indispensables à bien maîtriser quand on est aux frais réels, je dirais. Est-ce que cela vaut le coup ou pas? Ça va être fonction de vos frais réels, et attention, il y a un cadre réglementaire, on ne peut quand même pas tout déduire, voilà. Je dirais que dans le cas de figure où vous souhaitez toucher un salaire plutôt que des bénéfices, moi je dirais que l'imposition sur la fiscalité qui est à appliquer ne sera pas la même. De plus, dans le cas du salaire, vous avez une opportunité qui est de prétendre au chômage. Par contre, vous avez des risques associés en termes de potentiellement fiscalité. Donc, est-ce qu'il faut plutôt envisager en stratégie de se rémunérer par salaire ou par bénéfice? Ça, c'est également un sujet très personnel. Alors, si je reviens à l'entreprise individuelle, donc en fait, par rapport à l'EURL, quel avantage elle offre? Déjà, elle est plus simple, voilà. Donc, dans ce cas de figure, il n'y a pas de risque d'abus de biens sociaux comme, par exemple, dans l'EURL, la SAS, la SARL ou la SA. Après, l'EURL, la SA, la SARL ou la SA, vous allez également stratégiquement choisir de la mettre en place, par exemple, en fonction du nombre d'associés que vous allez recruter ou que vous allez intégrer. Voilà, dans votre tableau prévisionnel, comment vous allez recruter? Est-ce que vous serez le seul ou est-ce que d'autres personnes seraient éventuellement associées de la structure? Donc ça veut dire un pilotage du cadre réglementaire autour des statuts. Donc à côté de ça, la rédaction des statuts, c'est quelque chose qui demande une petite expertise aussi. Donc il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, alors pourquoi est-ce que j'opterais pour l'EURL? Eh bien, je pense que dans le cas de figure en fait où vous pensez être taxé à plus de 33%, potentiellement, effectivement, le choix d'EURL et de société en fait pourrait être un levier de décision opportun. Pour une société en personne morale, en fait, à mon sens, ça peut paraître plus favorable dans le cas de figure où vous pensez dépasser ce seuil des 33%, où vous pensez être encore plus taxé. Donc là, à ce moment-là, il faudra peut-être essayer de réfléchir en termes de mise en place de sociétés qui offrent l'opportunité d'optimiser un peu plus sa fiscalité, voilà. Mais ça présuppose aussi une lourdeur administrative et de la gestion, de votre gestion financière. Pourquoi? Il va falloir que vous maîtrisiez qu'est-ce qu'on appelle l'approche fiscale comptable, l'approche de la tenue de compte, parce que ça va nécessiter de mettre en place une gestion beaucoup plus stricte et rigoureuse. Donc voilà pour les risques que je dirais, mais l'opportunité, c'est alléger sa fiscalité en passant par une société. Donc voilà, c'est comme tout dans la vie, c'est plus vous voulez y gagner, plus vous aurez d'opportunités et plus il faudra fournir d'efforts pour y arriver. Après, la notion d'effort à mettre en place, moi je dirais que c'est fonction du retour d'expérience de chacun, c'est fonction de l'expertise de chacun dans le domaine de la création de statut, dans le
domaine de l'optimisation fiscale et le choix du régime d'imposition. Et c'est également en fonction de comment vous êtes capable de gérer en fait votre comptabilité vous-même. Et est-ce que vous choisissez de déléguer complètement ou pas? Voilà, ça c'est fonction de vous et votre stratégie. Soit vous apprenez et vous le faites vous-même, vous prenez le risque de mettre en place des imperfections. Donc ça demande d'accorder beaucoup de temps pour apprendre. Donc ça veut dire que plus vous mettrez de temps à gérer votre société, moins vous aurez de temps à disposition pour gérer votre projet. Donc soit vous prenez l'opportunité de déléguer, donc ça c'est bien, vous allez utiliser une ressource experte compétente, un tiers de confiance. Néanmoins le risque associé à côté, c'est qu'il va falloir le rémunérer. Donc ça ce sont des frais supplémentaires. Donc il faudra y songer. Et puis après, voilà, si vous êtes en société aussi, je vous invite à aller voir mes castes en fait sur l'intérêt d'adhérer à une société de gestion. Voilà, à une association de gestion, je dirais. Allez, on revient à l'EI et dans le cas de l'entreprise individuelle, en fait, si on considère le cas de figure que en fait, dans l'EI, ce qu'on va gagner est réellement à nous. Dans le cas de l'EURL, on est dans le cadre d'une société de part d'action. Donc dans ce sens, en fait, potentiellement, il y a des associés, il y a des statuts. Donc tout ce qu'on dégage appartient à l'entreprise. Donc en fait, à proprement parler, on ne dispose pas réellement de cet argent. Et nous qui créons cette société, en fait, nous allons fonctionner sur facture. Nous allons adresser des factures à notre société. Par exemple, si nous voulons emprunter la voiture, eh ben, on va facturer notre emprunt, etc., etc. Donc, pareil, dans ce cas de figure, par exemple, d'une société, la gestion sur frais réels est très, très rigoureuse et il faut toujours conserver la traçabilité des factures. Voilà, et je crois que c'est à conserver 10 ans, notamment. Donc, pour moi, entre ces deux notions, société ou micro-entreprise, et notamment la EI, je pense qu'il y a une notion en termes de responsabilisation. Et donc forcément, plus vous êtes responsable, plus vous allez pouvoir optimiser fiscalement, mais plus potentiellement, si vous êtes à côté de la plaque, vous payerez le prix fort. Voilà, c'est un peu subjectif, mais voilà pour ce que moi, j'en comprends. Donc je dirais qu'en France, en fait, il y a deux types de structures. Soit vous êtes en personne physique, soit vous êtes en personne morale. Et la fiscalité qui va s'appliquer si vous êtes personne physique à l'impôt sur le revenu, ben on l'a compris, sera complètement différente de la fiscalité qui s'applique sur une société qui est enregistrée voilà, plutôt en personne morale et donc qui sera soumise à l'impôt sur la société. Donc voilà, il faut voir. Après, je dirais que dans le cadre de l'EURL en personne morale et donc imposée sur la société, en fait, ça vous donne l'opportunité, ça nous donne l'opportunité à nous d'être nous-mêmes salariés au nom de notre entreprise. Donc ça, c'est un choix personnel. Dans le cadre de l'entreprise individuelle, par contre, il semble impossible de se salarier soi-même. Alors maintenant, je vais fermer la petite parenthèse et je vais quand même faire un rappel sur le statut de la micro-entreprise ou un rappel au regard des bonnes pratiques. Moi, je dirais que dans le cadre de la micro-entreprise, ce qu'il faudrait retenir, c'est que, en fait, sur tout ce qu'on va gagner, on sera taxé à peu près environ de 54%, mais j'aime pas les données quantitatives parce qu'il y a tellement de facteurs qu'en fait, je pense qu'on peut pas se permettre de donner des données quantitatives. C'est à vous de faire la simulation d'imposition au regard de votre situation et en considérant de votre situation personnelle, de l'environnement et de votre projet également. Donc voilà pourquoi c'est complètement personnel, mais c'est un ordre d'idée. Donc micro-entreprise, vous serez taxé sur ce que vous allez gagner à 50%. Donc ça veut dire que au départ, en fait, vous pourrez fonctionner sous la forme d'un forfait au niveau des prélèvements des charges sociales. Donc ça, c'est chouette. Sauf que la troisième année, ça diminue. Donc il faudra faire attention à être bien vigilant sur ce que vous allez gagner et toujours considérer que 50% de ce que vous gagnez ne vous appartient pas. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que souvent, on a les deux tiers des micro-entreprises qui, au bout de trois années, la troisième année, ferment, cessent leur activité. À mon sens, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas managé le risque autour en fait de leur statut et de leur régime d'imposition. Ils n'ont pas anticipé les décalages dans la gestion de la trésorerie. Et potentiellement, en fait, ils ont utilisé directement leur trésorerie et ils n'ont pas pris soin de faire attention en fait au prélèvement de cotisations sociales qu'elle est arrivée en décalage. Donc voilà, moi je dirais qu'il faut être capable de bien supporter le risque autour en fait de la gestion du poids de nos charges sociales, de l'imposition
Et voilà, de façon à penser la gestion de sa trésorerie par anticipation sur le calendrier. Toujours se constituer un matelas de sécurité pour absorber potentiellement la fiscalité et considérer l'évolution de la fiscalité. C'est-à-dire que si vous gagnez 3 000 euros, mettez au moins 1 500 euros de côté pour supporter potentiellement la taxation future. Mais j'ai envie de dire au minimum. Donc pour reprendre mon sujet et donc l'exemple en fait en quelque sorte du blogueur, de la personne qui va avoir des activités autour d'Internet, de e-business, la personne qui va faire du consulting en physique et la personne qui fait du trading en compte propre, il y a deux possibilités. Donc vous avez le I ou le URL et dans le cas de la société en EURLIS, voilà, vous allez supporter des charges sociales à peu près, enfin comme la CGS, et vous pourrez choisir soit de vous verser un salaire, soit de vous verser des dividendes. Donc du coup, il faudra noter qu'il me semble important à mon sens que de prendre en considération que, enfin de comprendre, je dirais même que en fait, si vous souhaitez exercer une activité de trader, ce métier en fait il peut être exercé à titre individuel sans création de structure et vous serez imposé sur le revenu. Voilà. Quid de la fiscalité qui va s'appliquer? Voilà, mais je dirais que en plus de ça, donc si vous êtes trader à titre individuel, donc sans création de structure, en fait, vous serez rattaché à de la gestion du patrimoine en compte propre par des opérations de bourse. Voilà, c'est ce qui, à mon sens, sous-entend la gestion privée, de patrimoine. À côté de ça, vous pourriez exercer et cumuler d'autres activités, comme celle, par exemple, de consultant, donc celle de blogueur, de site web, de e-activité. Là, attention, vous serez dans un cas de figure BNC et dans l'autre cas de figure BIC, donc soit en activité libérale ou plutôt exercé au sein d'une société. Donc voilà, c'est un choix personnel. Voilà pour la conclusion de fin. Allez, je vous laisse à votre propre analyse de risque en fonction de votre situation professionnelle, objectif et également personnel. Allez, je vous dis à bientôt. Y est pas, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience si vous avez trouvé directement les solutions les plus simples qui conviennent d'être appliquées. Moi, je cherche toujours. Voilà. Mais je progresse. J'ai le sentiment que je progresse un peu. Allez, je vous dis à bientôt, y est pas!